Et bonjour à vous. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Guilt. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que. Comme je l'ai masqué. Il est où? C'est-à-dire ici. Voilà. Hop, on va continuer Guilt aujourd'hui. Et on verra bien. Hop. Ça va pas. Voilà. Faut que je me mette dessus. Hop. Alors il faut qu'on se rappelle un peu ce qui s'est passé. Comment on joue un peu. Alors on sait qu'il faut pour ça. Qu'on aille là-bas. Sans batterie, je ne pourrais pas l'actionner. Et la batterie, il faut traverser le parc apparemment. Mais avant d'y aller, il faudrait vérifier quelque chose. Là, on est d'accord, il n'y a rien. Qu'il y a eu un séisme, mais d'où ils sortent ces tuyaux? Me falloir des piles aussi. Par là, on peut pas. C'est pas ça. C'est ça pour s'accomplir, d'accord. Il y a quelque chose là. Cet étrange appareil peut se fixer sur la lampe torche, je ne sais pas ce que c'est, mais comme les monstres sont aveuglés par les flashs lumineux, je le garde. Amélioration de l'attaque au flash obtenu. Quand Sally est encerclée, maintenez X pour utiliser le flash et étourdir les monstres qui l'entourent. Une fois utilisé, le flash se recharge automatiquement avec le temps. D'accord. Ouf. Voilà, normalement la batterie est par là. Le seul endroit que j'aime bien dans toute cette ville. Enfin, que j'aimais bien. J'ai plus beaucoup de vie. Maintenant que j'y arrive, les tyrans me harcèlent à chaque fois ou presque. Voilà. Du coup, on va se mettre ça. On va récupérer ça tout de suite. J'avais pas vu lui. Non, c'est pas ça. Un de moins.
Il est trop loin. On sait qu'on a déjà un de moins. J'ai des piles juste devant. Je n'ai pas vu un autre sur le côté. Si, on a un autre là-bas. Hop, ça c'est fait. On a vu des piles là au bout. Ça en prend, ça peut toujours servir. On va aller voir ici là-dedans ce qu'il y a. D'accord. Il est où? Là, il y a des piles. Ça me sera utile. Qu'est-ce que j'entends marcher sur les côtés? Du coup. Ça va pas. Ouh, c'est la première fois qu'il me fait ça, lui. Voilà. Qu'ils arrivent. Non, c'est bon. Il va falloir que je repasse de l'autre côté chercher les piles. L'autre, il est où? Là-bas, d'accord. Voilà. Et on va par là. On a un autre là-bas. Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose ici? Non. Je sais pas si il regarde par ici ou si il regarde de l'autre côté.
Ah. Ah non, j'allais dire 5. Y a pas de pile ici. Allez, pile ici. Je peux reprendre la porte. Oui, c'est bon. Bon, à mon avis, ici, j'ai pas tout exploré. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Comment tu te balades, toi? Rien de l'autre côté, c'est bon. Tu ne balades pas? Voilà. Il y a quelque chose ici. Bon, à ce niveau-là, non. On va peut-être aller voir dans le conduit d'aération. Juste faire un petit truc, une seconde. Ah, mais zut. Voilà. Par contre, on peut pas monter. Quoi? Quelque chose qui se rapproche de moi ou quoi? Une chose du bien, c'est qu'ils repopent pas les autres. Y a pas quelque chose à faire là, par hasard. Pas le temps de jouer. D'accord. À mon avis, d'être à l'étage, les bruits. Alors, c'est lui. Il y a des piles là-bas. Je vais en avoir besoin. J'avais pas vu qu'il y avait un passage par là. Ah là, c'est le passage, c'est les piles que j'ai vues. Du coup, je vais pouvoir y passer derrière. Je peux pas passer derrière du coup.
Voilà. Par contre, j'ai plus de piles encore. On va pas ramasser les canettes là, non? On va reprendre une canette. Ça servira pour passer. Par contre, je vais faire une pause 2 minutes. J'arrive, je n'ai pas pour longtemps. Voilà. Désolé, j'avais un gâteau dans le four, il a fallu que je le sorte. On est déjà au max. Donc là, il faut passer par le conduit avec l'échelle des piles là-bas. Voilà, c'est ce que je voulais. Ah, bien sûr que ça va servir. Quartz de sang. Ah oui. Je sais toujours pas comment s'en servir de ça. Apparemment, passer par là. D'accord. S'accroupir quand même, on sait jamais. On peut pas les pousser, ça, d'accord. Ok. Faut que je fasse attention à celui-là.
Alors, d'accord. Se déplacer. Voilà, ça c'est fait. Je voulais voir s'il n'y avait pas possibilité. Autre chose par ici. On va pas passer par la porte là, du coup, il n'y a que cette porte là. Étrange batterie, je ne crois pas qu'il s'agisse d'une batterie de voiture, on dirait une batterie de jouet, mais en plus grande. C'est peut-être un élève qui l'a construite. Game over. D'accord. C'est quoi ça encore? Échappez-vous dans ce... Non, il veut pas y aller. Voilà. Faudrait juste que je retrouve où est-ce que je suis. Par contre, je dirais pas non à des piles là. Là, il n'y a rien. Du coup, faut monter ici. Ça, c'est l'autre qui est à la fenêtre, il me semble. Je devrais pouvoir passer derrière. On peut pas. Ah bah je sais pas où. Et au passage on va se prendre ça. Non, on peut pas prendre de soda là, cette fois-ci. Je comprends mieux pourquoi il y avait ça ici.
Apparemment, ça temps pour passer. D'accord, je vois pas où est-ce qu'il faut passer en fait. C'est vrai que là on peut pas. Non, mais non! D'accord, en fait il a bougé. Voilà. Par contre, des piles, j'aurais bien aimé en récupérer. Aider les hommes pierres pour bénéficier de leur aide en retour. Ouais, mais encore faudrait les trouver. Voir par ici. Hop, comme ça on est full life. Je descends. Bon, d'accord. Ok, c'est parce qu'on peut pas faire ça. Que je vois si je peux repasser par le parc. Du coup, on avait dû monter ici pour passer. Il n'y a pas de passage de l'autre sens. Donc, on est bien passé par le bon chemin.
c'est le seul chemin possible. Là, ici, il n'y a rien. Le seul endroit où je peux aller, c'est là-dedans. Récupérer là, rien du tout. Ici non plus. Non, 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 non. J'étais pas une montée à l'échelle. Allez voir là, ici avant. Quand même, elle est poussée les détails à l'intérieur des trous comme ça. Hein. Cherche toujours des piles. Hein. D'accord. S'il doit y avoir quelque chose, oui. Quartz de sang. Alors, voyons voir un peu. Je n'ai jamais vu de pierre comme ça. Elle est tiède et bas comme un cœur. Et toujours pas de pile. J'aurais vu le petit cercle. Venez voir là-bas. Bon. Toujours pas de pile. Ben on a des piles ici. C'est pas que ça pourrait, c'est que ça va servir. J'allais dire, enfin, quand même pas repasser par en dessous. Est-ce qu'il y a pas quelque chose là? Là, c'est d'où est-ce qu'on venait? D'accord. Du coup, on est obligé de passer par là.
Je suis déjà au max. Donc on y est. Voilà, ils peuvent pas passer. Moi j'ai plus qu'à aller là. Ouh, c'est quoi ça? C'était quoi qu'il avait sur le dos? Nous dire un truc de cinéma? Trouver Emily au premier étage. Non, à mon avis, c'est ta copine Émilie qui s'est fait une copine ici. Pour se sentir moins seule. Il n'y a vraiment rien d'autre ici. J'ai le plan, ouais. On va d'abord aller voir ici. T'as jamais au cas où il y aurait des piles. Hop. C'est un dessin, il représente visiblement des souvenirs d'Emily. Il vaut mieux qu'on en prenne un comme ça aussi. N'y voit rien du tout. Il n'y a qu'un seul passage. Ici, on peut passer en dessous. Oui, j'ai bien fait de passer par là avant. Sinon, à mon avis, j'aurais dû chercher où est-ce qu'il manquait un œil de l'autre côté.
Pour le moment, on va passer par là. Ah, j'ai raison. Ça va laisser la canette là. Au pire, on ira en chercher une autre. Allez, on va lire. Mon papy est le meilleur papy du monde. Il a un grand nez et il me raconte toujours plein d'histoires sur sa vie. Quand je serai grande, je veux être comme lui et explorer le monde. J'adore quand on va lui rendre visite parce qu'il est toujours content de me voir. Avant, c'était nous qui allions chez lui. Mais aujourd'hui, il a emménagé chez nous. Papa dit qu'il va vivre avec nous maintenant. Je suis super contente. Je n'ai pas encore pu jouer avec lui parce qu'il était fatigué à cause du déménagement. Je lui ai demandé de me raconter une de ses histoires, mais il était trop préépuisé. Alors j'ai peigné ses cheveux jusqu'à ce qu'il s'endorme. Je crois qu'il est bien aimé, je suis vraiment heureuse qu'il soit là. D'accord? Bon, moi, on a découvert ça. Y a rien d'autre autour. Pas de pile, rien de plus. Oui, plus qu'à redescendre. Par là, on peut pas y aller, d'accord. Comment tu veux que je passe? Oui, c'est bon. Ah, par au-dessus peut-être. On va voir le plan. Ouais, faut que j'aille dans la salle là-bas au fond. Passons par là. Salle ici. J'ai fait un truc.
quand un cahier là-bas. Là, des piles. Ici. Je déteste le premier étage. C'est là que se trouve le laboratoire et à chaque fois qu'on a cours de sciences, on doit y aller. Les élèves sont plus âgés et plus méchants. Les gens de ma classe se moquent de moi. Mais ceux du premier étage, ils sont encore pires. Ils me font peur. S'ils sont méchants, ce n'est pas juste pour s'amuser. Non, je crois que ce sont des vrais monstres. J'essaie de les éviter, mais je crois que certains me suivent quand je quitte l'école. Peut-être que Sally pourrait m'aider, mais il faut que je lui en parle. Donc là. Des cafards. Alors là, il n'y a rien. Oh. Comment c'est arrivé là, ça? Voilà tout à l'heure. Se passe des trucs bizarres ici. Que je passe ici. Qu'y aurait-il là? Il y a une autre salle ici. On dirait que cette pierre réagit à la lumière. Ici. Aller plus loin. Attends. Ouais, c'est ça. Je m'en doutais.
Voilà. C'est bien ça. Sont combien? Il y en a un ou deux? Il y en a deux. Et j'ai un truc ici. Mais non. Mais non. Mais normalement c'était bon là. D'où est arrivé le troisième là? Mais non, mais... J'ai plus de canette en main, du coup. Le troisième, il est là-bas, d'accord. Là, il y a une porte là. Déjà, ça c'est fait. J'aurais pu le faire de plus loin, mais ça aurait été plus chiant. Non, non, ça marche plus, fais chier. Zut. Salut, Geek Girl. Suis où encore? Oh, je suis revenu au début.
coup, on va aller refaire ça là-bas. Les trois y vont, donc c'est bon. En ce temps-là, nous, on peut se dépêcher de monter ici. Je comprends rien. Tout était normal ce matin dans la ville. Monotone, comme d'habitude. Qu'un œil à défaire ici. Émilie réapparaît comme par magie. Et tout est chamboulé. Les gens sont partis et on dirait qu'il y a eu un séisme. Tu peux m'entendre. Bon, par là, on peut pas passer. Ici, y a rien. Je vais pouvoir passer, il faut que je puisse éteindre ça. Non, ça lui dit rien. D'accord. Sinon, ils avaient la possibilité de descendre par là-bas, il me semble. Il y a un truc ici où je peux me cacher.
Allez. Voilà. J'ai toujours ma canette en main, oui. Là, c'est pareil, du coup, porte là-bas. Non. On voit qu'il a bien vécu, en tout cas, c'est bien le sien, le nounours d'Émilie. D'accord. Allez à la salle 202. Ouais, mais avant, je dois voir autre chose ici. Ça, on a ce qu'il faut. De revenir en arrière. Je suis sûr que j'ai dû rater quelque chose. Par exemple, descendre ici. Par ici. Alors ici, il y avait juste un inhalateur. Et ça, c'est l'escalier du début, d'accord. Du coup, on a juste, on sait qu'il y a deux inhalateurs de disponibles. Ici, il n'y avait rien. Ouais, d'accord. Clé, elle va être où?
D'accord, il y a un passage ici. Il faudrait désactiver ça de l'autre côté. Je me demande si... Ça n'éteint pas le feu. Pas du tout. Par contre, je suis full en pile. D'accord, je comprends mieux. Donc c'était pas d'un côté, c'est de l'autre qu'il fallait le faire. Donc là, on ne pouvait pas passer par là pour venir par ici. D'accord. Ça alterne. Mais non, mais c'était arrêté. Pourquoi ça revient? Mais ça se fout de ma gueule là. Du coup, on est passé, c'est pas grave. Un oiseau là. On a fait cramer l'oiseau. Qui sert juste à se planquer, du coup, ce qu'il doit y avoir quelque chose pas loin. On éteint la lumière. Non. Ça veut pas. Pendant, on sait jamais. Apparemment, il faudrait pouvoir passer par là. Une échelle là, d'accord.
Il n'y a rien d'autre. Non, c'est pas une échelle. Bon. Ce truc est presque cassé. Je pourrais lancer un truc dessus. Ça m'étonnerait que quelqu'un vienne me gronder. Du coup, on va la rechercher, hein. Ah oui, d'accord. Là, ça fonctionne pas. Comment est-ce qu'ils veulent qu'on fasse? Faut qu'on passe là-bas. Quelque chose est déplacé. Ça. Par hasard, il va y en avoir encore un. Non? Donc là, il faut que j'aille là-bas pour éteindre. Voilà. On est là. Si je vais...
À gauche. De dos ou est de face. Là est la question. Qui est de dos. Je sais qu'il y avait des piles ici à récupérer. Ok, je peux plus passer par là. Coup, faut que je refasse le tour. Désolé, mais toi... vais plus te voir dans le coin. On sait qu'il y a un inhalateur là-bas derrière. Voilà, comme ça on est full life aussi. Fait, c'était pour aller par là-bas. Avec un niveau, d'accord. J'ai bien fait de vérifier. Pas sélectionné.
Comment il peut y avoir une pièce comme ça ici, juste avec ça? Pas courir. Comment il peut y avoir une pièce juste accessible par ça, dans une école? C'est plutôt bizarre. Ramasser. Je me demande si on peut l'envoyer directement là-bas, lui, pour qu'il se fasse cramer. Non, il veut pas y aller. Voilà. Du coup, il va falloir utiliser ça. Mon avis, sur un bouton qui doit être quelque part là-bas. Voilà, tout à fait. Avec un livre en plus là-bas. Du coup, la porte se trouve juste derrière. Personne n'a déjeuné avec moi aujourd'hui. J'ai mangé tout seul ce midi. C'est pareil tous les midis. Je ne sais pas pourquoi, personne ne veut me parler. J'aimerais bien lui expliquer ce qui se passe, mais je ne la vois jamais. Je ne veux pas l'embêter, mais je suis triste et je ne sais pas quoi faire, ni où aller après l'école. Dès que la cloche sonne, je range mes affaires dans mon sac et je me dépêche de sortir. Je la vois avec ses amis et j'ai envie de les suivre, mais elles sont déjà loin devant, en route vers la salle d'arcade. Aujourd'hui, j'avais décidé de lui parler à la sortie, mais je l'ai encore manqué. Et si elle faisait exprès de partir plus tôt? Et si elle n'avait pas envie de me voir? Du coup, ça va être... va pouvoir tourner à gauche ou aller à droite. Là, on peut pas accéder. Donc, si je tourne, on va d'abord aller au fond, je pense. Ouais, ça c'est celui que j'ai déjà cramé tout à l'heure.
La clé, elle est là. D'accord, il y a plusieurs pierres. D'accord. Bon, il va falloir trouver le bon endroit pour le placer. Ah oui. Ça m'indique des piles. Si je fais sur ça, ça redescend tout de suite. Ça le fait dans deux directions. Je sais. Un petit peu. Ouais, d'accord. Je le décale plus par là. Faut pas que je reste devant. Attends. Juste que je vérifie si ça c'est bon. En fait, il est pas bon. Là, il devrait être bon. Même pas. Voilà, ça devrait être bon là.
Maintenant, je peux récupérer. J'ai des piles. Et la clé. Clé qui permet d'ouvrir la salle 202 du premier étage. D'accord. Il faudrait que j'aille à la salle 208 aussi. Non, et celui-là, il fait quoi du coup? D'accord. Tu bouges ou tu bouges pas? Mais non! Je viens de récupérer la clé! Bonne technique. On l'éblouit et après on le tue. Du coup, mais il faut que j'aille. Donc gauche. Là, ici. Ouh, ils sont beaucoup là. Et zut. Plus cette pièce, j'y suis déjà allé. Mais attends, celle 208, c'est par là que je suis arrivé. Qu'est-ce que j'essaie d'aller là-bas?
Non, mais j'essaie de sortir. Ne faites pas chier. Pas possible ça. Que du coup. Hop. Voilà. Du coup, on va rechercher les piles qu'on n'a pas pris. Qu'est-ce que vous là-bas au fond? D'accord. On a une batterie pleine. Il faut que j'aille tout droit. Le mieux. Il peut y passer pas derrière lui. Voilà. J'en ferai un autre là-bas. Il faut que j'aille à la porte à droite. C'était les toilettes par lesquelles on était passé par ici. Par contre, j'ai plus beaucoup de piles. Il n'y a pas d'endroit où je peux récupérer, non. Et à la terre, je suis bon. Et ici, j'avais bien fait de m'occuper de lui. Ici, il n'y a plus rien. Trouvez où se cache Emily. On est dans la pièce là. D'accord. Donc il va falloir aller jusqu'au laboratoire, je suppose. Ah, des piles.
aucune des valves. D'accord. Une Voilà. valve. Ça peut servir. Des piles aussi. C'est pour moi. Et à ce niveau-là. Bizarre, on entend des heures. J'avais raison, on entendait dehors. Affronter la créature. Comment est-ce qu'ils veulent que je l'affronte? C'est impossible. Non mais à chaque fois il me touche. Non mais mais t'as pas le droit! Je dois t'emmener jusqu'à l'eau, t'es à l'eau? Normalement, c'est bon!
D'accord, donc il faut le faire 3 fois. Allez! Non, tu me touches pas. Je t'ai dit, tu me touches pas. C'est vrai qu'il y a ça aussi que je peux faire. Non, mais j'ai mon câble en plus qui me fait chier à ce niveau-là. Non mais t'arrêtes pas! Non mais comment il fait pour aller aussi vite? Non mais arrête de courir! Faut que je l'amène ici dans le coin. Mais toi, cours! Ah, pas possible ça, j'avais réussi 2 fois. Allez. Je sais, il fallait que je fasse ça, que j'éteigne ma lampe. On va récupérer ça tout de suite. Non mais il se fout de ma gueule! Non mais maintenant c'est elle qui se fout de ma gueule! Putain, c'est pas possible ça. Allez, donne-toi tout de suite. Viens par ici.
Mais non! Mais pourquoi elle court pas? Mais allez, cours! Ah ben. Je devrais pas me réjouir trop vite. Emily est seule. Elle doit être dans l'auditorium. Ça me sera utile. Tu reprends de la vie. Qui veut qu'on descende. Salut Dragon. Il faut que je parte par là. J'ai la porte là-bas. Logiquement ici, il n'y a plus personne. Il n'y a pas de pile ici? Non. Du coup, j'ai plus qu'à sortir par là. Ouais, ça va. Je viens de battre un boss là. J'en ai un peu chié parce qu'il faut bien gérer ses placements et gérer sa vitesse. Du coup, il faut que j'aille là-bas. Là-bas, c'est-à-dire ça. Emily était dans l'auditorium, pourvu qu'elle y soit encore. Faut que je descende par là, des piles là. Et on va aller chercher les piles. Ah, je suis déjà full. Ouais, grâce à vous, comme d'habitude, toi. Ça, c'est un jeu Stadia, une exclusivité. En même temps, ça pourrait servir. Oui, forcément, ça te redonne de la vie, connasse. Ouais, ça change. Tu devrais regarder aussi Stadia, il y a pas mal de jeux qui sont intéressants dessus. Surtout que là, il est gratuit pendant 2 mois. Il y a 9 jeux gratuits, 9 jeux inclus dessus. Ça passe pas là. Est-ce que je veux pas rentrer dedans pour le moment? Là, ici.
Hop, voilà. Il y a les jeux. Il y a deux jeux qui doivent être intéressants. Il y a deux autres jeux qui doivent être intéressants sur Stadia là. Que je ferai aussi, mais je sais pas s'ils sont pas en coop d'ailleurs. Ce qui pourrait être intéressant. La lumière représente l'espoir pour une âme égarée. Quelque chose là. Là, j'ai des piles qui sont affichées là-bas que je peux récupérer. Et là, il y a un oiseau ici. Et avant de faire l'oiseau, toi, t'es pas dans le bon sens. S'il y en a encore d'autres. Hop, on fait cramer les canaris comme ça. Elle est là, mais rien ici. Je peux le faire quand même. Non, pas de pile. Non. C'est bon. Faire le tour par là, on va voir un peu.
Lui, il m'a pas vu là-bas. Il bouge, mais pas l'autre. Ah. Et dans un labyrinthe là. C'est super. Tout va bien. Vous êtes libre. Morceau de ticket, on dirait un morceau de ticket de funiculaire tout vu et tout usé, on dirait qu'il va tomber en poussière. Alors, c'est de la folie totale cet endroit, mais je crois que je commence à comprendre certains trucs. J'ai l'impression d'être dans un cauchemar sans queue ni tête. Déjà, il y a ce bizarre qui m'observe et des monstres atroces qui me poursuivent. Et puis, il y a les hommes pierres, eux, c'est encore différent. Ils sont pas comme les monstres. On dirait que l'objectif ultime de cet endroit est de me tuer. Mais eux, ils bougent pas. Du coup, j'ai pu les examiner de près. J'ai découvert trois choses qui me fichent les jetons. La première, je l'ai découverte en m'approchant tout près d'eux et entendant l'oreille. Ils respirent. Ils sont vivants à l'intérieur de leur carapace de pierre. Je suis même sûr de les avoir entendus murmurer des trucs bizarres. Je crois que ce sont des êtres humains comme moi et qu'ils souffrent atrocement. La deuxième chose, je l'ai remarqué tout de suite. Ils ont tous un livre à côté d'eux. Je les ai lus. Que des histoires à dormir debout. Mais j'ai l'impression que ce sont leurs pensées qui ont été transformées en livres. Comme par magie. Ça paraît dingue, mais c'est carrément possible. D'abord parce que les livres ont l'air super vieux. On dirait des bouquins datant d'il y a plusieurs siècles. Mais à l'intérieur, ça parle de tomes et de la mine et de trucs qui se sont passés il y a très longtemps. Il n'y a pas très longtemps. Et puis, ils ont été imprimés, pas rédigés à la main, et ils comportent tout qu'un seul chapitre. C'est peut-être des journaux intimes. Non, ce sont des souvenirs transformés en livres par cette chose démoniaque à l'origine de ce cauchemar. C'est évident. Quant à la troisième chose, ce sont les morceaux de ticket. On les voit à travers les fissures. Ils ont tous un bout de papier à l'intérieur. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça ressemble au ticket du funiculaire. Moi aussi j'en ai un. Je sais même plus comment je l'ai eu. C'est ça qui me fait le plus flipper, parce que ça établit un lien entre eux et moi. J'ai envie de me débarrasser du mien, mais j'y arrive pas. J'ai l'impression qu'il est important. Je sais plus quoi penser. Je veux pas mourir ici, et je veux pas me transformer en pierre. Mais en même temps, il y a une question qui m'obsède. Si je deviens l'un d'eux, est-ce qu'il y aura un livre sur moi? Super. Coup, on voit le labyrinthe.
Dis-moi qu'il y a des piles quelque part. Radar à couvert de sang, il y a quelque chose dans cette cage. Je sais ce que c'est, mais ça fait du bruit quand il y a du couvert de sang pas loin. Ça, c'est pas mal. D'accord. Détecteur de quartz obtenu. Le détecteur de quartz se met à briller à proximité de quartz de sang. Il fait également apparaître les emplacements de quartz de sang sur la carte. D'accord. Ça, c'est pas mal. Ça va être utile. Parle plus eux. Là, je peux pas les parler, faut que je passe de l'autre côté. Problème, j'ai plus de piles. Qu'est-ce que je fais? Non, j'étais pas du bon côté, c'est pour ça. Il va falloir que je trouve des piles avant d'aller de l'autre côté. Où est-ce que je dois aller? D'accord, donc là on peut pas y passer pour le moment. Il y a un truc là-bas qui brille. Tu me vois pas, je te vois pas. Si je joue au centre artistique, est-ce que je peux? Donc on peut pas. J'ai le gymnase.
Pas assez de piles. C'est bloqué aussi, du coup. Y a pas de passage par là. Donc du coup, on est obligé d'aller là-bas. Sur l'une ou l'autre, c'est pareil. Y a marqué Émilie sur le tableau. Donc on sait que dans le bureau, il y a un cœur de sang. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je vais vous envoyer en raid chez quelqu'un. Voyons voir un peu. Chez qui je vais vous envoyer? Non, 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 non. Bon, on va vous envoyer chez... Hop. Qui fait Jamaz, qui fait du gear tactique. Ça pourrait peut-être intéresser certains d'entre vous. Donc allez lui dire bonjour de ma part. N'hésitez pas à lui envoyer des cœurs. Hein. Allez, sur ce, à la prochaine, dans la bonne humeur. N'oubliez pas, restez positif.